jusqu'à ça la guerre, j'ai sauté la mélon, j'ai sauté la mélon, j'ai sauté la mélon, Arica la mela, et jamais la riton, Arica la mela, et jamais la riton, jusqu'à ça. Bienvenue à tous les artistes linguistes, les artistes québécois, les médias. Alors aujourd'hui, on est réunis pour une occasion très particulière, c'est-à-dire que c'est le lancement de l'activité Couleurs sur le monde, donc le volet international de Rêve d'automne 2014. Alors on a le grand honneur d'accueillir la culture russe. Et donc nos artistes ici ont la lourde tâche de nous faire découvrir un petit peu plus leur culture, leur peinture, etc. Donc on a déjà commencé à apprendre des petites choses hier, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'au bout de la semaine, on va être capable de prononcer quelques mots. De quelques mots en russe? Oui, bien sûr. Bon, on a déjà le plus important, la Nazdrovia, les autres vont suivre. Fait que, on invite évidemment tous les gens à venir vous rencontrer. Je pense que c'est une occasion vraiment exceptionnelle de rencontrer les artistes et puis de parler un petit peu plus de votre technique. Alors, je souhaite à tous les artistes un excellent séjour à Baie-Saint-Paul, de belles découvertes et de beaux échanges. Alors, on est en présence de M. Gaudreau, donc je vais vous céder la parole. Bon, merci, madame. Écoutez, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour le lancement de Couleurs sur le monde. Dans un premier temps, au nom du Conseil, nous aimerions souligner l'initiative de Rêve d'automne d'inclure depuis 8 ans une thématique de divers pays qui permet d'ouvrir une fenêtre sur ce monde qui apporte un enrichissement à Baie-Saint-Paul. Au fil des ans, Baie-Saint-Paul a déjà acquis ses lettres de noblesse en ce qui concerne la culture et l'art. Cette rencontre annuelle avec les artistes provenant de différents pays contribue à donner une vitrine internationale à Baie-Saint-Paul. Et ce, pour le meilleur de la culture de Baie-Saint-Paul, car nous sommes une ville de culture, d'art et de culture. À force de le travailler, je vais finir par l'apprendre comme il faut. Le succès de la 24e édition ne pourrait être assuré à l'avance sans la complicité des membres du comité organisateur qui ont déployé tous les efforts nécessaires afin d'assurer la réussite de l'événement. Au nom du maire, qui a dû s'absenter pour des raisons professionnelles, et au nom de tous les membres du conseil municipal, des citoyens de Baie-Saint-Paul, nous sommes heureux d'accueillir les artistes russes dans le cadre de la 24e édition de Rêve d'automne, et de ce fait s'enrichir d'une culture que pour certains d'entre nous serait totalement inconnue. En conclusion, l'événement Rêve d'automne permettra sûrement de tisser des liens, tant avec les artistes que les membres de notre communauté. Je vous souhaite bon succès et puis j'ai bien hâte d'aller vous visiter. Merci. Je m'appelle Alexandre Sobolev. Je suis une iconographe russe, mais qui habite à Montréal. Et je suis ici pour présenter cette technique mystérieuse qui m'a attiré aussi par sa mystère. Parce qu'en Russie, les icônes, c'est un objet du culte qu'on vénère beaucoup. C'est très, très... ça prend une grande place dans la culture et dans la vie des Russes. Un objet avec qui on parle, avec qui on communique, on prie, on l'embrasse, on pleure. Ça qui m'a attiré à apprendre cette technique. Mais cette technique aussi, c'est comme un rituel qu'il faut respecter les étapes, il faut utiliser juste les matériaux naturels avec le respect dans la tradition et culture. Parce que c'est quand même un objet qui participe dans la cérémonie religieuse. C'est ça. Je suis ici pour présenter cette technique. Est-ce que les gens peuvent pratiquer et essayer d'en faire ou c'est vraiment... Oui, pendant la cour, 5 jours, chaque personne va faire une icône, petite icône, mais en respectant toutes les étapes.
avec mon aide. Et on va utiliser tous les matériaux, les pierres pour les pigments, le jaune d'œuf et le vin blanc pour les liants, pour les pigments, les feuilles d'or, la bière. On utilise beaucoup des choses naturelles dans notre, qu'on trouve dans la nature. En même temps, c'est la technique la plus solide dans l'histoire des arts, parce qu'on a encore les icônes de 9e, de 10e siècle, et la peinture est très solide. Est-ce que l'icône est revenue en force depuis que le temps soviétique est brisé? Est-ce que les gens ont eu un intérêt plus grand depuis ce temps-là? Oui, à l'époque de soviétique, c'était interdit de fabriquer des objets du culte en Russie, mais oui, après les réformes, c'est une vague, parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait pas d'église, était détruite, les monastères étaient fermés, et maintenant, il y a grand intérêt. Donc, pour les iconographes, il y a beaucoup de travail en Russie. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites les icônes? Pour les icônes qu'on voit à l'arrière, combien de temps ça peut prendre faire? Mais ça prend à peu près 2 semaines pour faire une icône. Oui, c'est long, c'est, on dit vraiment, le travail de moine. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut bien maîtriser cette technique. Mais c'est très intéressant. Est-ce que vous récitez des prières quelconques pendant que vous les faites? Non, moi, je n'impose pas les prières. C'est quand même une démarche technique et spirituelle en même temps pour chaque personne, selon ses, disons, son éducation, ses sentiments. Je ne peux pas obliger quelqu'un à faire la prière. Ça doit être sincère et chaque personne a son démarche à faire. On ne peut pas même comparer quelqu'un qui travaille plus lentement ou plus vite. Il faut que chaque personne prenne son temps pour aller d'une étape à l'autre. Fait que c'est plus les cours, pour moi, individuels. Okay. Est-ce que toute scène qui se retrouve dans la Bible peut être représentée sur une icône ou c'est vraiment des visages particuliers, des scènes particulières qu'on va choisir? Si une personne est canonisée, oui, elle peut être représentée sur les icônes. Parfois, il y a les personnages mystiques, disons, il y a une icône de sagesse de Dieu ou qui représente un personnage qui n'existe pas vraiment, mais c'est comme un symbole qu'on peut utiliser. Mais oui, c'est souvent les visages qui sont représentés sur l'icône. Mais merci beaucoup. De rien. Merci.